partira 3e, Dave Giroux, partira 4, Sylvain Ruel, partira 5, Steve Desharnais. Prochain partant, c'est le Small Block B Main, Small Block B, prochain partant. On va prendre les photos à la fin du programme dans la 2 avec le drapeau quadrillé, comme on a fait la semaine passée. Donc, les positions sont pas pires. Dave, tu vas partir 3. Donc, Patrick Delisle 1, Stéphane Desbiens 2, Dave Giroux 3, Sylvain Ruel 4, Steve Desharnais 5. Prochain partant, mode boss, small block, B-Main. Le top 3 en finale transfert vers la finale suivante. On y va tranquillement pour Patrick Delisle. En sortant de la carte, ce sera un départ pour 40 tours. Le mode boss, big block, C-Main. Culbuteurs sont en position. Et c'est parti. La trompette en écho. Attention, Delisle fait du basic et c'est Desbiens qui en profite. Delisle fait un peu de basic entre la 3 et la 4 également. Véhicule très capricieux. Et c'est Desbiens qui en profite pour tout juste devant Sylvain Ruel. Le top 3 transfert vers le B. Troisième, c'est Dave Giroux. Le noir, le véhicule numéro 5. Noir et vert, chiffre fluo, jaune, est en première place. Deuxième place, c'est serré, le 08, véhicule chrome. De Stéphane Desbiens. Troisième, c'est Giroux, c'est rouler tout le long du drep. Avant, attention, là, ça va être serré pour les trois premiers. Entre le 08, le 5 et le 97, encore Giroux qui tire des rouler en sortant de la carte. Donc, le meneur, le 5 de Ruel devant Dave Giroux et Stéphane Desbiens. Le véhicule 5, vert, noir et jaune fluo est premier. Attention, Steve Desharnais, le meneur qui est derrière. Également, Desbiens s'est rapproché. Donc, Steve, on laisse la place au meneur. Merci. Desbiens s'est rapproché à l'attaque. Attention, Steve, c'est la deuxième place devant toi. C'est parfait. Très serré entre Ruel et Desbiens, le 08 et le 5. C'est serré. En troisième place, c'est Giroux. Mais la lutte se passe à l'avant. Le top 3 passera dans la prochaine finale à le B-Main. Les pilotes vont essayer de faire l'Alphabet Race. CBA. Sylvain Ruel, Stéphane Desbiens, Dave Giroux. Le top 3 actuellement, après 18 tours de complété, les trois voitures sont le même tour. Un tour derrière, on a Steve Desharnais et Patrick Delisle. The top drivers are Sylvain Ruel in first place with 19 laps, followed by Stéphane Desbiens in second place with 19 laps, followed by Dave Giroux in third place with 19 laps. Fais attention, Steve, c'est pas pour une position, merci. Les top 3 sur le même tour toujours. 1.9 sépare Sylvain en première place et Stéphane qui est deuxième, 1.8. 1.4, ensuite derrière on a Dave Giroux. 25 tours de complété, 15 tours à faire. Sylvain Ruel qui a beaucoup amélioré sa voiture, on se souvient que dans la première qualification, il a eu son mulligan. Le trim n'était pas super bien ajusté. On a ajusté ça avec les périodes de pratique dans la deuxième ronde également, puis là, mais ça roule très bien. 5-5, le tour le plus rapide. 5-62. Stéphane Desbiens, 5.69, Dave Giroux. After 3 minutes, the top drivers are Sylvain Ruel in first place with 30 laps, followed by Stéphane Desbiens in second place with 30 laps, followed by Dave Giroux in third place with 29 laps. Pour le top 3. Sylvain Ruel complète un 33e tour. Maintenant un 34e. Prochain passage. Une main pleine, 5 tours à faire pour une voiture numéro 5 de Sylvain Ruel. Stéphane Desbiens, Dave Giroux. Vraisemblablement, on va passer au B-Main. Top 3, ça va au B-Main. Et les drapeaux tournent. 2 tours à faire pour Sylvain Ruel. 38 tours de complété. Stéphane qui le met sur 2 roues. Tout juste derrière lui. Oh, on se frappe avec la voiture en troisième position, il n'y a rien de joué. Oh, on continue.
On va pouvoir réparer le 97 et c'est complété. On viendra compléter la troisième position pour Dave Giroux. On s'en va dans le B-Main. Sylvain, Stéphane et Dave Giroux. Steve Dernier va se mériter un coupon. Terminé quatrième. Une chance de plus pour gagner le moteur. Pour Steve Dernier. Mathis, on va te donner un coupon pour ta quatrième position tantôt.